48 heures avant la grande cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, les cadres du PDCI-RDA, avec à leur tête le secrétaire exécutif en chef du PDCI, Maurice Kakoudjikawé, ont effectué une visite à la cour familiale des Boigny. Sur instruction du président Henri Konan Bédier, les cadres du PDCI et la famille Houphouët se sont rendus au caveau familial des Boigny pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du père fondateur et implorer sa bénédiction pour le bon déroulement de la cérémonie de remise du prix UNESCO pour la recherche de la paix qui porte son nom. On fait ça, c'est ici. Mais on a un défi, ça te veut bien, il fait le balimou. On est très profane. On fait ça, non? On fait ça. On est sans fibre, il fait le balimou. Et quand on est à on est allé à Poukoura Blasan, on est ici. On connaît. C'est là, on a passé une gorge. On est sur le sang. On est sur le sang. Mais quand on est dans des têtes, on y avait un moyen de faire des bignons. Dans 48 heures, la Côte d'Ivoire va connaître un grand événement, la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dont nous avons besoin en Côte d'Ivoire, à l'ancienne chancelière Angela Merkel. Et le président Henri Konan Bédié est arrivé plus tôt à Yamoussoukro hier. Et il nous a mandaté de venir honorer la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. On donne son prix. Dans 48 heures, il fallait que le PDCI vienne déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe pour montrer que nous sommes là, lui demander toutes les bénédictions, toutes les grâces de là où il est pour se pencher véritablement sur notre parti qui doit rester toujours fort et conquérant. Et c'est lui qui a créé le PDCI qui est l'âme de la Côte d'Ivoire et son nom est attaché à la Côte d'Ivoire. Donc, si le PDCI avait des problèmes demain, ce serait sa deuxième mort. Donc, nous prenons l'engagement, nous qui l'a laissé ici, de tout faire pour que le PDCI puisse toujours vivre. Donc, on vient de le lui demander. Je sais qu'il va nous l'accorder. Donc, nous sommes là au nom du président Henri Konan Bédié qui nous a demandé de venir déposer cette gerbe de fleurs.